Alléluia. Mokarabasa katolo bobo sheke tolo bobo shika baba soko bobo sheke bibire gaba bashi. Dans ce moment spécial, cette atmosphère. Oh alléluia. Partagez, 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 partagez. Invitez, 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 invitez. Mettez un cœur, invitez, partagez. Ce moment va être fort, ce moment va être fort. Ce moment va être fort, ce moment va être fort. Ah, oh, oh, mettez les cœurs, bobo, ce que je veux dire, bobo. Prends-moi. Oh Jésus, ah, 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 Jésus, oh, bravo, bravo, bravo. Yeah.
Soyez bénis. Soyez bénis puissamment dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu soit sur votre vie. Je vous demande de partager massivement ce direct. Vous savez, mes directs sont beaucoup attaqués, que ce soit des directs de prière. En fait, dès que je suis connecté, il y a des gens qui sont payés pour attaquer mes directs. Il y a des gens, dès qu'ils voient la notification, ils commencent à signaler la page. Ils ne savent même pas ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, ils s'en foutent. Si c'est la prière, si c'est quoi, ça ne les regarde pas. Ils se mettent tout de suite à attaquer, à signaler. De sorte que, normalement, les vues que je dois avoir sur Facebook devraient être plus que ce que j'ai en ce moment. Mais ma page est quelque part comme si c'est en restreint. Vous-même là, quand vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous avez l'impression que vous faites des efforts pour rien. Et ça arrive même des fois qu'on bloque certaines personnes parce qu'ils ont déjà trop partagé. Facebook est complice de fois des mauvaises choses. Facebook, j'ai l'impression qu'il n'aime pas la vérité. C'est pourquoi avec mon équipe de communication, on est en train de prévoir beaucoup de choses. On en parle, on est en train de voir. Ouvrir une chaîne, s'appuyer sur le site, faire tout ce qu'il faut. On est en train de faire vraiment un grand travail en ce moment parce que bientôt Facebook sera un petit support à côté. On ne va pas rester sur Facebook. Voilà. Il y a des gens qui font des directs. Vous croyez qu'ils sont en direct alors que c'est des différés. Ils ont fait ça depuis longtemps. C'est des différés et vous venez vous suivre. Moi, je fais les directs en direct. Et donc, on est beaucoup attaqués. Et souvent, voilà. Donc, quand vous likez, je ne vous dis pas de rester tout le temps le doigt sur le like. Parce que si vous likez, peut-être trop, on peut aussi vous bloquer. Bloquer vos trucs. Donc, vous likez un peu. Vous passez à autre chose, vous likez un peu, vous commentez un peu, vous partagez, surtout les partages, surtout les partages, c'est important. Vous partagez beaucoup, vous likez un peu, vous partagez beaucoup. Parce que nous sommes attaqués. Beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité, donc n'aiment pas ma personne. Alors, il y a des gens qui sont là, même si c'est pour la prière, ils vont venir attaquer. Parmi eux, il y a des fils de politiciens ou des politiciens. Parmi eux, fils de maman et du mamailleur. Parmi eux, il y a des jaloux. Et parmi eux, il y a même des serviteurs, soi-disant de Dieu, des pasteurs, mais par méchanceté, par haine, qui viennent faire cela. Donc c'est à vous de protéger vos directs. Que Dieu vous bénisse. Je mets un deuxième cantique parce que ce soir, c'est un moment fort. Ce soir, c'est un moment fort. Le thème de notre direct ce soir, c'est opération déblocage. Il faut que le Seigneur débloque quelque chose dans ta vie. Je voudrais, avant de mettre la louange, te dire, il faut penser à trois sujets de prière. Il faut penser à trois choses que tu veux que Dieu enlève dans ta vie, débloque. Une, trois situations que tu veux que Dieu débloque. Je t'ai dit trois. Il faut préparer ta bouteille d'eau. Il faut préparer ta poignée de sel. Et tu penses, tu prépares trois sujets. Si tu veux même écrire les sujets d'avance à côté. Trois sujets que tu mets, ça veut dire que ça te tient à cœur. Tu mets ces sujets-là, d'accord? Donc ce soir, c'est un moment de prière. Et on aura un moment de témoignage. Après la prière, s'il y a certaines personnes qui ont été touchées, qui veulent rendre témoignage, ou bien pendant les directs d'autrefois, les directs passés, ou pendant les réceptions, Dieu a fait quelque chose pour eux. Quelqu'un est bouillant, il a un témoignage qu'il a envie de rendre. On va permettre à certaines personnes de pouvoir rendre témoignage parce que dans la semaine, on n'a pas fait de direct de témoignage. Donc, je vais essayer d'être court dans le message. En même temps, on passe à l'action prophétique. Et puis, on passe à la prière, à l'action prophétique. Et puis après, s'il y a des témoignages, les gens vont pouvoir les rendre. Parce que vous savez, moi, je ne suis pas politicien. Donc, je ne vais pas passer tout mon temps à parler que du pays de politique. J'ai besoin, ça m'a manqué. Mes enfants spirituels me recherchent, me réclament. Parce que c'est ça qui est le plus important. Donner la nourriture spirituelle aux enfants de Dieu.
avoir la grâce et la délivrance. Ce direct pour le chrétien, ce direct n'est pas seulement pour la force spirituelle. Il est pour tout le monde. Que tu sois même musulman et que tu as envie d'assister, tu as envie de participer, tu as envie de recevoir quelque chose aujourd'hui dans ta vie, tu veux un déblocage. Le Dieu que nous servons est unique. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi ce soir nous allons l'invoquer. Nous sommes réunis comme une seule personne. Nous allons permettre à Dieu de descendre de son trône et d'agir dans la maison de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je vous demande de partager sur YouTube, WhatsApp, Messenger, et puis vous likez de temps en temps, vous protégez le direct. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse d'avance votre vie. Que l'Éternel, notre Dieu, vous remplisse de grâce. Que l'Éternel, notre Dieu, vous assiste là où vous êtes. J'invoque la protection divine sur votre vie là où vous êtes. Je prie que vous soyez encerclés par les anges de l'Éternel. Je prie que, en ce moment même, la main céleste vous assiste là où vous vous trouvez. Si une puissance, un ennemi, une puissance des ténèbres, une puissance infernale est a envie d'agir contre ta vie, qu'en ce moment précis, l'Éternel le frappe. J'invoque le feu de Dieu contre toutes les puissances qui chercheront à t'attaquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit t'environne, que la force du Saint-Esprit t'environne. J'invoque déjà la puissance de Dieu. Je dis que là où tu es, que tu ressentes déjà la présence de Oh Mama Sokorabati Karamaseke. Que là où tu es, tu ressentes la puissance de Dieu. Je dis que là où tu es, que tu ressentes la présence de Dieu. La terre est en train de trembler. Oh my God. La terre est en train de trembler. Je vois du feu descendre du ciel pour combattre toute puissance, tout ennemi de ta destinée. Aujourd'hui est baptisé opération déblocage. Quelque chose doit se débloquer. Ton mariage doit se débloquer. Ton voyage doit se débloquer. Ton enfantement doit se débloquer. La vie de tes enfants doit être débloquée. Je dis que quelque chose doit être débloqué. Tes finances doivent être débloquées. Aujourd'hui, nous avons donné rendez-vous à l'Éternel pour que quelque chose soit débloqué dans ta vie. Il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous déliez sera aussi délié. Il dit Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a aussi déclaré à vous nuit. C'est au nom de Jésus-Christ que je prophétise déjà la victoire dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prophétise, ta délivrance, ta guérison et ta restauration. Oh, sois localisé ce soir. Sois localisé par le Seigneur. Sois localisé par le Saint-Esprit. Sois localisé par les anges de l'Éternel. Que le ciel fasse pleuvoir sur ta vie. Que le ciel fasse pleuvoir sur ta vie toutes sortes de grâces et de bénédictions. De par ma voix, que l'onction te touche. À ma voix, à ma parole. Et je déclare moi aussi ce soir, loin de l'Éternel, à ma parole, que l'Esprit te saisisse là où tu es. Il y a des gens qui vont sentir la présence de Dieu. Pendant ce direct, pendant la prédication, il y a des gens qui ont commencé déjà à sentir l'onction de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à sentir la main de Dieu sur leur vie. Il y a des gens qui ont commencé à sentir que quelque chose est en train de se passer. Il y a des gens qui ont commencé à sentir une manifestation de la puissance
Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à sentir que la main de Dieu est posée sur leur vie. Il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit agit pour toi. Maintenant, Mokarabashi, écoutons ce cantique. Pendant ce cantique, hein, je vous demande d'adorer le Seigneur. Pendant cette louange qui va passer, je vous demande de dire quelque chose à Dieu chez vous. Dites-lui, Seigneur, je suis là. C'est le moment d'agir en ma faveur. Que le Saint-Esprit agisse pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je veux voir ta gloire. Excuse-moi, pendant que j'avais les yeux fermés, pendant que j'étais en train d'écouter ce cantique, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Je vous demande une chose. Si tu es quelque part et que tu ne peux pas faire ce que je dis parce que tu n'es pas chez toi, ce n'est pas grave. Après, quand tu vas rentrer chez toi, réécoute la vidéo. Et en ce moment précis, fais ce que je veux dire. À cet instant précis, si tu es chez toi et qu'il y a de l'huile chez toi, que ce soit de l'huile consacrée, que ce soit de l'huile d'olive, que ce soit n'importe quelle huile, prends un peu d'huile s'il te plaît, avec ton doigt, mets dans ta paume ici, l'autre dans ta paume. Je te demande, c'est ça. Ici, ici. Et mets un petit peu sur ton front. Et pendant que ce cantique est en train de passer, remercie Dieu, adore-le. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Le Machakabaya. Atia normal est dans la place. C'est parti. Jésus, aie pitié de moi. Ouh! Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ah. Les acteurs m'ont dit d'à côté, lui ont dit bâti. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Aie pitié de moi. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ah. Jésus a entendu les cris de Bartimée. Il dit, amenez-le. Ouh, Saint-Esprit. La même personne, il empêchait de crier. C'est les mêmes qui l'ont aidé. Les mêmes personnes, hein. Quand Jésus veut te visiter, je dis, c'est extraordinaire. Ah bon?
ça c'est vrai ça. Adonai, oh. Moi aussi, oh, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh. Oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh. Qu'est-ce que tu veux, Étienne? Hein? Jésus, oh, yeah, je veux retrouver la ma vie. Oh. Moi, j'ai entendu parler de toi. Jésus, ma brocoto santé ne préco chakabaro. Les ton tubri kabaro con sarabasse. Con son bichobo, colo malos. Abraham, colo malasse. Hey, il a vu la gloire de Dieu. Adonai, oh. Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. C'était ta main pour bâtiment. Moi aussi, oh, ta gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Oh, tu es merveilleux, Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est à Dieu que je veux entendre. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Je serai prospère. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Pour la délivrance de ma famille. À toi,
Saint-Esprit. Lokabro koboshi kabayolo kotoroboshe ketere kotori ki marabro. Le kontoro koboshe ketere bira kamayolo kotorobro. Le kamoyolo koshi kibirigoro kobosanderebre. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main sur son front? Mets ta main sur ton front, je vais prier. Mets ta main sur ton front. Ce soir, je veux voir la puissance de Dieu assis dans la vie d'une personne. Je veux voir le déblocage chez toi. Ce qui te fatiguait doit s'enfuir. Ce qui te bloquait, ce qui t'empêche de voler doit disparaître. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main sur son front? Mets ta main droite sur ton front. Mets ta main droite sur ton front. Mets ta main droite sur ton front. Je vais invoquer Yahweh pour toi ce soir. Je vais le Saint-Esprit là. Je vais prier l'Éternel. Je vais demander d'agir dans ta vie. Et en ce moment, je sens le feu. Je sens la puissance de Dieu. La main de Dieu est sur ta vie déjà. C'est toi qui ne la vois pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Yo, quelqu'un est en train de trembler chez lui là. Il y a quelqu'un qui balance dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui bouge partout dans sa maison. Et la main de quelqu'un est remplie de chaleur. Il y a la main de quelqu'un qui est remplie de feu. Il y a une personne qui ne se comprend pas en ce moment. Oh, le feu. J'ai dit le feu. Oh, le feu. J'ai dit le feu. Feu, oh. J'ai dit le feu. Feu, feu, feu. J'ai dit le feu. Et Zantobre, la Kobasinda la Bre. Jukamaya la Tantobre. Le feu qui va briser les chaînes de la servitude. Le feu qui va briser les chaînes de la servitude. Le feu qui va briser les chaînes de la servitude. Le feu qui va briser les chaînes de la servitude. Le feu qui va créer ton déblocage. Oh, Massakata. Le feu qui va créer ton déblocage. Oh, oh, Jesus Christ. Va créer ton déblocage, oh. Oh, Jesus Christ. Le feu, le feu, le feu. Jésus, oh. Le feu, oh, le feu. Oui, le feu. Macro Dorukushi. Le feu qui va créer ton miracle. C'est de ce feu-là que je parle aujourd'hui. Femme, écoute-moi. Oh, je suis à l'aise, rempli de l'onction. Toi qui n'enfantais pas là, c'est de toi que je veux parler maintenant. Est-ce que tu as mis ta main sur ta tête? Maintenant, mets ta main sur ton ventre, femme. Je parle de toi qui n'enfantais pas. Au nom de Jésus, voici ton miracle. Au nom de Jésus, voici ton miracle. Au nom de Jésus. Hey! Approche que me regarde sa kata. Il ne me proche comme yoloto. Je commande à l'esprit de stérilité. Je commande à l'esprit de stérilité. Esprit
douloureuse. Esprit de fibrome. L'esprit qui enlève la progéniture dans le ventre. Au nom de Jésus, je te poignarde. Au nom de Jésus, je te chasse. Tu libères ce ventre maintenant de cette femme qui m'écoute. Yeah. Je commande la guérison. Je commande la délivrance. Je commande la liberté totale. Pas vite. Nom de Jésus. Voici ton miracle. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ont des blocages dans leur vie. Qui ont des blocages. Et qui ont des blocages financiers dans leur vie. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ont des blocages financiers dans leur vie. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ont des blocages financiers dans leur vie. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ont des blocages financiers dans leur vie. Ils ne savent plus où est passé l'argent. Tout ce qu'ils font ne réussit pas dans leur vie. Ils commencent, ils ne peuvent pas terminer. Lorsqu'ils touchent quelque chose, on dirait qu'on a détruit. Lorsqu'ils touchent quelque chose, on dirait qu'on a gâté. Lorsqu'ils touchent quelque chose, on dirait que quelqu'un a arraché de leurs mains. Il y a des gens qui ont des projets mais qui ne peuvent pas réaliser. Il y a des gens qui ont la possibilité mais qui ne peuvent pas le faire. Je vais parler du blocage financier. Je vais parler du blocage financier. Je vais m'adresser à l'esprit de vol. À l'esprit de la même percée. Je vais m'adresser à ceux qui volent les biens. Je vais commencer aussi à m'adresser à l'esprit de mari de nuit. Je vais m'adresser à l'esprit de la femme de nuit. Je vais m'adresser à l'esprit qui vient des eaux pour voler et pour éparpiller. Au nom de Jésus, lâche prise. Au nom de Jésus, pars. Au nom de Jésus, lâche prise. Je commande la délivrance, la liberté. Je remplace la présence des esprits démoniaques par le Saint-Esprit. Que ces personnes pour qui je viens de prier, des femmes qui avaient des problèmes au ventre, la stérilité et toutes ces choses, et ceux qui avaient des blocages financiers, soyez localisés par le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu, en ce moment même, vous touche. Que la puissance de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous ressaisisse et vous secoue pour enlever toute poussière démoniaque, toute poussière satanique. Que l'Esprit de Dieu vous environne. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Il y a des gens qui m'écoutent. Voici ce qui se passe. Tu as des dons spirituels. Mettez des likes. Enlevez la main sur la tête. Enlevez la main sur la tête, c'est fini. Mettez des likes. Il y a des gens qui m'écoutent. Tu as des dons spirituels. J'ai dit dons spirituels. Parmi ces dons, il y a le don de guérison. Il y a le don de miracle. Don de prophétie.
Il y a le don de révélation. Hey, ma paix sera prête le coach. J'ai une charapée qui charapa. Il y a le don de révélation. Prophétie, guérison, parole de connaissance. Et il y a des personnes qui ont ces dons, mais qui n'arrivent pas à les manifester. Il y a des personnes qui ont ces dons et qui n'arrivent pas à les mettre en pratique. Certains savent qu'ils ont ces dons, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Et certains ignorent qu'ils ont ces dons. Il y a des gens qui rêvent, ça se réalise, mais ils ne savent pas. Il y a des gens de foi, les yeux fermés, qui voient des choses, mais ils ont peur de dire. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le ciel pour toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le ciel pour ces personnes dont je parle. Tous ceux qui font partie de ces personnes. À l'instant où je suis en train de parler, en ce moment précis où je parle, au son de ma voix, tu es localisé par une plénitude de la puissance de Dieu. Là où tu es sur toi, il y en a qui sont en train de pousser des cris. Il y en a qui sont en train de parler en langue. Il y en a qui sont tombés quand j'ai parlé. Il y en a qui ont poussé des cris. Il y en a qui sautent dans tous les sens quand je parle. Il y a une puissance, l'Esprit de Dieu. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, quel que soit le lieu où tu es, il suffit d'entendre le son de ma voix. Il suffit d'entendre le son de ma voix. Tu es localisé par la puissance de Dieu. S'il y a eu, il y a un don dans ta vie. S'il y a un don caché, un don étouffé, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois servant de Dieu, que tu sois un simple laïc, une simple chrétienne, je dis que l'Esprit de Dieu te localise où tu es, je dis la puissance de Dieu te localise où tu es, je dis que la main de Dieu te localise où tu es, et en ce moment même, l'onction te touche. Il y en a qui n'ont jamais parlé en langue, qui vont commencer à balbutier, ils vont commencer à balbutier, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à chanter en esprit. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Je dis la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de mon œuvre maintenant. Je dis l'onction de mon Jésus est à l'œuvre maintenant. Là où tu es touché par la puissance. Il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire Jésus cette fois en commentaire? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire Jésus cette fois en commentaire? À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi toute la gloire. L'honneur est à toi, Seigneur. Que ma personne s'efface, Jéhovah, et continue à utiliser ce corps pour tes enfants. Yeah. Ce soir, c'est fort. Maintenant, je suis en train de penser à certaines personnes. J'entends le mot dossier. J'entends dossier. Est-ce que c'est le dossier de ton enfant qui doit aller à l'école? Est-ce que c'est le dossier parce que tu as déposé un dossier pour un visa?
Est-ce que tu as déposé un dossier pour une promotion? Est-ce que tu as déposé un dossier pour un travail? Est-ce que tu as déposé un dossier pour des papiers, pour les cartes de séjour ou je ne sais pas, pour la nationalité? Est-ce que tu as déposé un dossier quelque part pour un crédit, pour un prêt? Est-ce que tu as déposé un dossier quelque part parce que tu veux ouvrir une entreprise? Est-ce que tu as posé un dossier quelque part? J'entends dossier. J'entends, ça sonne dans mon esprit, dossier. Et l'esprit me dit, toutes les personnes qui sont concernées à un dossier qui est posé et qui doit être... L'esprit me dit que tu as ta réponse. Est-ce qu'une personne est concernée pour me dire amen? Je dis que l'esprit t'a localisé. Le dossier. Je dis le dossier que tu veux déposer. Tu as déposé. À Brokenage. Mais prochaine. Je dis s'il y avait quelque chose qui bloquait cela. Je déclare que s'il y avait un ennemi. Un caillou sur ton dossier. Si on avait mis un rocher sur ton dossier, si quelqu'un avait mis son pied gauche, si quelqu'un avait mis son pied droit, si une personne avait caché ce dossier, et si quelqu'un est contre toi à cause de ce dossier, si ce dossier a été oublié, s'ils avaient fait des choses mystiques et diaboliques pour ne pas que ce dossier soit accepté, je viens vers toi et je dis à cause de mon Jésus, je dis au nom de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach, je dis au nom de Jésus, le rocher qui empêchait est brisé. Je dis la personne qui a posé son pied a le pied brûlé. Je dis la personne qui a attrapé pour cacher un... Celui qui t'a oublié par rapport à ce dossier se rappelle de toi. J'ouvre les portes maintenant. J'ouvre une porte, j'ouvre deux portes, j'ouvre trois portes, j'ouvre quatre portes, j'ouvre cinq portes, j'ouvre six portes et j'ouvre sept portes. J'ouvre les sept portes maintenant de l'exaucement. Et je déclare que maintenant les portes te soient ouvertes. Quel que soit ce que tu as demandé par rapport à ce dossier. Si c'était une promotion, tu l'as. Si c'était un voyage, tu l'as. Je dis si c'était un visa, tu l'as. Je dis si c'était un travail, tu l'as. Je dis le miracle est là. Si c'était maintenant pour une entreprise, pour une aide quelconque, un dossier bancaire, c'est pour qu'on te fasse un prêt. Un prêt. Je dis que c'est fait. Je dis que c'est fait. On t'avait oublié. On se rappelle de toi maintenant. J'ai déclaré. Et ma parole est scellée. Au nom de Jésus. Ma sabre. Lo cabre samolota. Yamato sabate. Akomoria lulansade. Oh, sababa roboroshi. Ekomosi kantara brakushi. Za, Saint-Esprit, ma broche, abara. J'aime ta présence. 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 J'entends difficulté de mariage. J'entends difficulté de mariage. Je suis en train d'entendre difficulté de mariage. Qu'est-ce qui se passe? Difficulté de mariage. Il y a certaines personnes qui ont déjà payé la dot, mais qui n'ont pas le moyen de se marier parce que financièrement ça ne va pas. Il y a certaines personnes qui veulent aller payer la dot, mais ça ne va pas. Il y a des personnes qui ont fait coco-co, mais ne peuvent pas payer la dot. D'autres n'ont même pas la possibilité de faire coco-co. Il y a certaines personnes qui ont pris la foi, mais ça ne va pas dans la maison. Ils se sont mariés. Ça ne va pas dans la maison. Leur sorcier était à leur mariage. Leur sorcière. Les gens ont vu qu'ils sont mariés,
pour être heureux. Et les gens sont en train d'attaquer. J'entends des disputes. J'entends des querelles. J'entends des gens qui disent, si c'est comme ça, on va arrêter. Il y a des couples qui s'aiment, mais parce qu'il n'y a pas d'enfants, l'amour est en train de se briser. Monsieur a envie de voir ailleurs. Madame est en train de se poser des questions. Il y a aussi des couples qui se prennent la tête parce que les enfants font n'importe quoi et ça agit sur le couple. J'entends et je veux maintenant rentrer dans vos maisons. Je veux rentrer dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit. Dans quelle situation te trouves-tu? Est-ce que c'est pour la dot? Est-ce que c'est pour le mariage? Est-ce que tu es déjà marié? Est-ce que ton mari t'a quitté? Est-ce que ta femme t'a quitté? Est-ce qu'il y a des difficultés dans la maison? Est-ce que vous ne comprenez plus votre couple? Oh! Je veux invoquer le Saint-Esprit là. Et que maintenant où je parle, le ciel soit ouvert pour vous. N'a-t-il pas dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. N'a-t-il pas dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu n'est pas contre l'union. Je prie maintenant que tous ceux qui sont dans cette situation, quel que soit le cas que j'ai cité, que la main favorable de Dieu soit sur toi. Que la main favorable de Dieu soit sur toi. Que la main favorable de Dieu soit sur toi. Seigneur, tu relèves les couples maintenant. J'appelle la paix, j'appelle la grâce, j'appelle l'entente, j'appelle le bonheur dans votre union. Que tout esprit mauvais, tout esprit de méchanceté, de haine, toute puissance qui veut venir briser ton union, briser ton couple, t'empêcher de te marier, t'empêcher d'être heureux ou heureuse, que cet esprit soit calciné par la puissance du nom de Jésus. Tous ceux qui sont concernés par ces paroles que je viens de citer, ayez l'habitude de prendre un petit bain avec du miel. Ayez l'habitude de prendre un petit bain avec du miel. Je ne donne pas trop de détails, mais ayez cette habitude. Priez l'Éternel et faites ce que je vous ai dit. Il y a un pasteur qui est en train de m'écouter. À ce moment précis, tu es en train de me critiquer, pasteur. Tu es un Ivoirien. Tu ne m'aimes pas, je ne sais pas. Tu es en train de me critiquer. Je te vois et je te vois parler à ta femme. Et je vois les enfants à côté. Tu es en train de me critiquer, pasteur. Je te vois, je vois ton image. Et Dieu me dit, il y en a d'autres, ils sont plusieurs. Mais j'ai vu ton image. Et pasteur, je veux te dire une chose. Je t'aime. Continue à me détester parce que Dieu me rendra puissant à cause de toi. Dieu me rendra plus fort à cause de toi. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et qu'il te donne l'amour dans le cœur. Et que tu ne détestes jamais quelqu'un pour ce que tu n'as pas. Parce que quand tu vas continuer à détester quelqu'un pour ce que tu ne peux pas et ce que tu n'as pas, tu ne pourras jamais évoluer dans ta vie. C'est ça ton problème, pasteur. Tu as trop de...
n'aimes pas, tu n'aimes pas les voir évoluer. Et depuis, tu tournes en rond. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Ton ministère, c'est le chaos. Tu n'as aucun don spirituel. À un certain moment, les gens te bénissaient, les gens t'aidaient. Mais aujourd'hui, tu es partout. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu as un mauvais cœur. Et Dieu t'a appelé. Si tu veux que je te bénisse, tu veux que je change ta vie, arrête ce mauvais cœur. Arrête d'haïr ceux que je bénis. C'est pour cela que le Seigneur a ouvert mes yeux et que je t'ai vu. C'est pourquoi le Seigneur a fait que je t'ai vu pour te donner ce message aujourd'hui. Le problème, ton problème, c'est ça. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Ton cœur est mauvais. Tu n'aimes pas voir, tu as déjà fait du mal à beaucoup d'hommes de Dieu. Dans le commérage, dans le mensonge. Tu racontes des choses qui ne sont pas vraies sur la vie de certaines personnes. Tout ça, Dieu n'a pas aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, tu tournes en rond, pasteur. Moi, je ne peux pas t'haïr. Au contraire, je prie que Dieu te délivre. Parce qu'au fond, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Mais tu es quelqu'un qui aide les autres pour leur bonheur. Et ça, ça fait que Dieu est contre toi. Tourne en rond. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu es là. Tu étais en train de me regarder tout à l'heure. Et pendant que tu me regardais, tu parlais. J'ai reçu. Mes critiques, mon oreille gauche m'interpelle et puis mes yeux s'ouvrent. Je t'ai vu et vous êtes plusieurs comme ça. Voilà, vous êtes plusieurs. Il y a Ivoirien, il y a Congolais dedans. Vous êtes plusieurs. Les deux races que j'ai citées, Ivoirien et Congolais. Vous êtes, Dieu me parle, mais que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur votre vie. Obarache kerebe. J'aimerais que nous allons passer vers l'action prophétique. J'aimerais que vous preniez vos Bibles dans 2 Rois le chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Deux Rois chapitre 4. Deux Rois chapitre 4, je vais faire la lecture. Deux Rois chapitre 4, à partir du verset 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où il était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes, mais dès qu'il eut mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu, et il ne put manger. » Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, serre à ses gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voici le passage que je vais juste dessus ce soir pour vous apporter la parole et nous allons rentrer dans les choses prophétiques. La Bible déclare que Élisée est arrivé à Gilgal. Il arrive à Gilgal, il trouve que les gens ont faim. Il y avait une famine. Et Élisée dit, il faut qu'on leur donne à manger.
Mais vous vous rendez compte que la nourriture que Élisée voulait que ces personnes consomment va se transformer en problème. Il y a quelqu'un qui allait cueillir des coléquintes, ne sachant pas ce que c'était, il est venu le mettre dans le pot, croyant que c'était quelque chose d'agréable à manger. Et la Bible dit que le pot fut empoisonné. Mais lorsqu'on a dit à Élisée qu'il y avait la mort dans le pot, qu'il y avait le poison dans le pot, ce que Élisée a fait n'a pas été du brabadabrabadabra. Il n'a pas parlé en langue. Élisée a dit, mettez de la farine. Il faut contrecaler la chose. Il faut faire une action prophétique. Il faut contrecaler le poison. Il faut déposer quelque chose. Je vais t'annoncer une chose aujourd'hui. Si Élisée avait dit, mettez du sable dans le pot, ça aurait eu de la valeur. S'il avait dit, mettez de l'huile dans le pot, ça aurait eu de la valeur. S'il avait dit, jetez des feuilles dans le pot, ça aurait eu de la valeur. Vous savez pourquoi? Parce que Élisée était prophète. Et la parole du prophète est accompagnée d'une puissance. Ce que la parole du prophète touche, une bénédiction. Ce que le prophète déclare est obligé de s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce soir? Élisée a dit la farine. Certains vont se demander, mais pourquoi la farine? On s'en fout de la farine. Ça pouvait être du sable, ça pouvait être du gravier, ça pouvait être de l'huile, ça pouvait être de l'eau. Mais ce qui est important, c'est que c'est le prophète qui a déclaré, prenez la farine. My God. C'est le prophète qui a dit, prenez la farine. N'importe qui la farine n'aurait pas eu de la valeur. Il y avait beaucoup de personnes, mais n'importe qui, les gens savaient ce que c'était qu'une farine. Si la farine avait la possibilité d'enlever le poison dans ce pot, il y a des gens qui ont vécu avant Élisée qui savaient cela. Ils auraient pu prendre la farine déjà pour le mettre dans le pot, mais personne n'a osé toucher la farine parce qu'ils n'ont jamais vu une farine enlever du poison. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est le prophète qui a déclaré. Il a dit, prenez la farine. Et le prophète peut te dire, prends de l'eau. C'est le prophète qui dit à Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'est le prophète qui dit à Naaman, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et c'est Jésus qui dit à l'aveugle, va te laver à la piscine de Siloé. Vous comprenez quelque chose? Lorsque et qu'elle est accompagnée d'une onction prophétique et qu'elle est accompagnée d'une autorité spirituelle, lorsque cette personne déclare quelque chose, lorsque cette personne demande quelque chose, cette chose est accompagnée d'une onction, d'une puissance, n'importe qui. Moi, j'ai déjà vu des gens copier des actions prophétiques. Une fois, j'ai prié avec des pièces d'argent. J'ai vu une fois une femme qui priait, faisait des directs avec des billets de banque. Mais j'ai regardé, l'esprit me dit, elle ne fait que copier, mais elle n'a pas la grâce, elle n'a pas la révélation, elle n'a pas l'onction. Et quand tu n'as pas toutes ces choses et que tu veux faire des actions prophétiques, tu mets ta vie en danger. Quand tu veux copier une action prophétique, tu mets ta vie en danger. Tu sais pourquoi tu mets ta vie en danger? Prophétique est assistée par les anges et l'action prophétique est assistée par les démons. Lorsqu'une action prophétique est faite, les anges assistent, les anges regardent, les anges cautionnent. Mais il y a aussi les démons qui surveillent parce que ce que tu vas faire va les déranger. Donc, si tu n'as pas la révélation, si tu n'es pas poussé, si ce n'est pas Dieu qui t'a commandé et que tu es en train de faire une action prophétique parce que tu veux copier quelque chose que quelqu'un a fait, tu sais ce qui se passe? Les démons qui sont là prennent l'autorité sur toi.
voient et ils brisent, ils les agissent. C'est-à-dire que ce que tu vas souhaiter de positif dans la vie des gens, les démons vont les transformer en négatif. C'est pourquoi il y a des gens qui font des actions prophétiques, mais que Dieu ne les a pas recommandées et rien ne change dans la vie des gens. Et les gens se plaignent, rien n'avance dans leur vie. Et les gens se plaignent parce que la personne n'a pas eu la caution de Dieu. La personne n'a pas eu la révélation. Excusez-moi, la personne n'est pas mandatée, mais la personne a copié. Il ne faut jamais copier une action prophétique. Il ne faut jamais faire quelque chose de spirituel parce que quelqu'un a fait. Il ne faut jamais suivre les gens comme des moutons, s'il te plaît. Si les gens veulent aller acheter de l'huile de Korogo, laisse-les partir. Les gens veulent acheter de l'huile de Dubaï, laisse-les partir. Ne suis pas les gens. Il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Ne va pas les prendre. Ne va pas les toucher. Il y a quelque chose qui est unique pour toi. Et je vais te révéler quelque chose. Je vais te donner une parole. Je vais te donner un réma. Est-ce que tu sais que chaque homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, a une onction qui n'est pas pour tout le monde, mais qui est pour cette Dieu et choisi d'avance. Mon onction peut pas servir peut-être à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne font pas partir, des gens que Dieu a prédestinés, des gens que Dieu a choisi pour que je puisse aider. Et ces personnes peut-être seront en accord avec une autre onction. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne peux pas m'asseoir aujourd'hui et dire, j'ai l'onction, je peux aider tout le monde. Je vous donne un exemple dans la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, à certains moments, n'a pas pu guérir des malades. Jésus-Christ de Nazareth, à un certain moment, n'a pas opéré de miracle. Il est allé à Jérusalem et la Bible n'a pas pu faire des miracles parce que ces personnes étaient incrédules, parce que ces personnes n'étaient pas en accord avec son onction. Mais dans certains lieux, Jésus a levé le mort. Dans certains lieux, Jésus a guéri l'aveugle. Dans certains lieux, Jésus a ressuscité. Dans certains lieux, Jésus a opéré des miracles. Mais il est arrivé dans certains lieux, la Bible dit que là, il ne pouvait pas. Là, il a touché deux ou trois personnes et puis il est parti. Oh my God! C'est pourquoi il ne faut jamais copier. Il ne faut jamais chercher à faire quelque chose que quelqu'un fait. Ton onction est unique. Ta grâce est unique. Ce que Dieu t'a donné est unique. Toi-même, tu es unique. Tes bénédictions sont uniques. Mabros à la brache. Oh, le même Jésus, il va prier, il va faire la prière sacerdotale avant de monter au ciel. Il dit, Père, je ne prie pas pour tout le monde. Père, je ne peux pas prier pour le monde entier. Père, je ne peux pas prier pour tous ceux, mais je prie seulement pour ceux que tu m'as donné. Jésus dit, je prie pour ceux que tu m'as donné. Qu'ils soient un avec moi, comme moi je suis un avec toi. Ce que tu m'as donné, ça veut dire que Dieu a pris des personnes et il les a données à Jésus. Et il y a des personnes que Dieu n'a pas données à Jésus. Il y a des gens qui vont venir vers moi pour pouvoir écouter la parole, mais pas peut-être pour que j'opère un miracle dans leur vie. Il y a des gens qui vont venir vers moi pour que dès qu'ils me rencontrent, il y ait un miracle dans leur vie. Il y a des gens qui vont venir vers moi pour que ma parole les aide à être meilleurs et efficaces. Il y a des gens qui vont venir vers moi pour que je les propulse dans quelque chose. Il y a des gens qui vont venir pour que dès qu'ils me rencontrent, leur histoire change.
Et tu ne peux pas comparer ta grâce. Tu ne peux pas comparer ton approche. Tu ne peux pas comparer ce que tu as à une autre personne. Et c'est ce qui nous tue. Parce que nous cherchons toujours à copier de gauche à droite. Alors que si tu te concentres sur la personne que tu es, ce que tu es, ce que tu veux et ce que Dieu a prévu pour toi, tu t'en sors dans la vie. Frère, je prie pour l'eau, Dieu agit. Je pouvais vendre de l'eau. Dieu ne m'a pas dit ça. Si c'était vendre des bouteilles d'eau à 1 million d'euros, 2 000 euros, 3 000 euros, en plus, la plupart, c'est des faux. Ils copient et puis ils font n'importe quoi. Mais moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Des fois, je prie gratuitement pour les gens. Et puis d'autres personnes pour qui je n'ai même pas encore prié viennent me bénir. Est-ce que vous comprenez ça? Qui dit, avant que je prie pour toi, tu me donnes 100 000, tu me donnes 1 million. Peut-être que c'est bien, c'est en accord avec leur onction. Je ne vais pas les juger. Mais si moi, Dieu me dit de ne pas faire ça, pourquoi je vais les copier? Même si des gens escroquent mon onction, même si des gens volent la grâce que Dieu m'a donnée, Dieu prend d'autres personnes et Dieu veut me bénir. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Mais si je vais essayer de copier, le Seigneur ferme le robinet. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que je ne sais pas quelle manifestation d'onction je n'ai pas vue. J'ai enlevé la veste. Une foule de personnes est tombée. J'ai jeté le foulard. Une foule de personnes est tombée. J'ai soufflé dans le micro. Une foule de personnes est tombée. Je crie. Des démons s'enfuient. Même ceux qui marchent dans la rue reçoivent la délivrance. J'ai vu le fou se lever. Le paralytique, l'aveugle, même le mort se lever dans mon ministère. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas vu. Mais pourquoi est-ce que... Et à ce moment où je faisais ça, où Dieu m'utilisait dans ces choses, il y avait d'autres qui prêchaient sur la prospérité. Mais le Seigneur ne m'a pas dit, va prêcher sur la prospérité. Je m'occupais de ce que Dieu me disait de faire, malgré que je n'avais rien à manger. Et Dieu me dit, je vais t'élever un jour, tu vas parcourir le monde, tu vas faire ceci. Et moi, je suis en train de parcourir le monde, Dieu m'a élevé. Et certains qui prêchaient la prospérité, que tout le monde voulait copier, aujourd'hui ne peuvent pas avoir ce que Dieu m'a donné. Pendant que moi je vivais dans la galère et que j'écoutais ce que Dieu voulait que je fasse, eux ils étaient prospères. Les gens les acclamaient, ils avaient de grosses voitures, ils avaient l'argent et moi j'avais rien. Mais j'écoutais ce que Dieu voulait que je fasse et quand le temps est arrivé, Dieu m'a élevé, il m'a donné tout ce que je n'ai pas espéré et ces personnes aujourd'hui sont derrière et moi je suis devant parce que j'ai préféré écouter ce que Dieu a voulu que je fasse. Frère, s'il te plaît, ne copie pas, ne copie quelqu'un, ne copie même pas la manière de quelqu'un, ne copie même pas la manière de prêcher de quelqu'un. Je me rappelle d'une histoire qui m'a beaucoup touché quand on était dans les années 90 qu'on faisait le ministère. J'étais à l'intérieur. J'ai prêché à Gagnoua, Daloua, Man, Danale, Yamsokro, tous les petits villages. Je suis même allé à Korogo. Je partais de village. C'est dans les villages que Dieu m'a beaucoup formé. Dans les endroits où il y avait le fétichisme. Dans les endroits où il fallait brûler les fétiches. Dans les endroits où le sorcier t'affronte. Dans les endroits où pour rentrer, il n'y a pas de voie. Tu arrives même, on te donne un endroit pour dormir. C'est au sol. Ça, où tu vois le magouya, le salaman partout, ou même le matin tu te demandes, mais je suis venu faire quoi ici? Les gens n'ont pas d'offrande pour te donner. Tu as marché pour partir, tu vas marcher pour revenir. Oh my God, Dieu m'envoyait dans ces endroits pendant que des gens étaient à Abidjan en train de faire des grands programmes, en train de remplir des salles. Même c'était super pour eux. Et moi j'étais dans les brousses. Dieu m'a mené dans les brousses. Dieu me dit, va à Abidjan. J'arrive à Abidjan. Je commence dans une église pentecôte. Dieu me dit, c'est pas là. Je vais à l'église pentecôtiste. Dieu me dit, c'est pas là. Après, le Seigneur m'envoie à chaque ville où j'ouvre l'église pentecôtiste unie interne.
nationale de Jacquesville. Je suis celui qui a commencé l'église pentecôtiste unie internationale de Jacquesville. J'ai commencé sous les cocotiers. Il y a eu deux enfants sourds-muets qui ont parlé dans un quartier des personnes qui travaillent à l'usine de canne à sucre. Et quand les deux enfants ont parlé, l'église a explosé. Dès que l'église a explosé, le Seigneur me dit, tu quittes maintenant, tu vas commencer ton ministère. J'arrive à Yopougon, je commence mon ministère. Au nouveau quartier de Yopougon, il y a une salle. Et je fais mes programmes là-bas. Et puis il y a un quartier qui s'appelle quartier millionnaire. Le quartier millionnaire venait de commencer. Je faisais des programmes en plein air. On mettait les bancs en plein air. Et je faisais des programmes au quartier millionnaire. Et puis, le quartier Coët venait de commencer. J'avais une maison qui n'était même pas, c'était pas peint. Le monsieur n'a pas achevé sa maison. C'était une villa avec plusieurs chambres. Je louais ça, si je me rappelle bien, c'était 10 000 francs CFA. Et parce que je n'avais pas assez de moyens. J'avais mes fils qui étaient là. Il fallait les aider. Je vivais dans une certaine galère. Mais l'onction était forte. On m'envoie le fou, il est guéri. On m'envoie le sidéen, il est guéri. Je passais mon temps à jeûner et à prier. Le pasteur Ayetouali. Ayetouali peut témoigner. Je prêchais dans son église. Il a un fils qui avait un pied plus court que l'autre. Il portait une chaussure exprès pour qu'il puisse être équilibré pendant une veillée de prière. J'appelle l'enfant, je demande au pied. Tout le monde, le pied pousse pas, 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 pas. Je dis stop, le pied s'arrête. Il y avait une notion très forte. Je m'arrête là, tu touches mon dos, tu tombes. Tu touches mon foulard, tu tombes. Je crie, tu tombes. Je souffre, tu tombes. C'était fort. Et en ce moment, je ne connaissais pas Kakou Séverin. Je ne l'avais jamais vu. L'onction était sur ma vie à l'intérieur. Avant que j'aille à Abidjan, je n'avais jamais entendu parler de cet homme. Et puis, pendant que je fais mes programmes, il y a des gens qui viennent. Ils disent que quand je suis de dos, ma manière de bouger, ma manière de crier de foi, ma manière de prêcher de foi, ils croyaient que c'était Kakou Séverin. Ils disent, mais tu fais des choses, on dirait Kakou, tu es un de ses fils, tu es quoi, tu es qui? J'ai dit, mais qui est Kakou? Je ne le connaissais pas. Et il a fallu que j'aille maintenant à Cocody pour commencer à chercher cet homme, à le connaître. J'assistais à ce programme pour voir effectivement c'était qui. Et j'ai vu ses fils, les deux Moro et tout le reste. Et puis, je me suis attaché à ce monsieur. Nous sommes devenus comme des frères. Je partais souvent chez lui. Pour moi, c'était un grand frère. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que je ne suis pas allé regarder Kakou Séverin pour tricher comment il marche. Tous ses enfants marchaient comme lui. Pour voir comment il crie, pour voir comment il lève la main, pour voir comment il prêche. Non. Je suis resté moi-même. Et Dieu m'a donné ma part. Et je suis venu. Et Dieu a donné l'onction. Dieu lui a donné la gloire. Dieu lui a donné un nom. Et Dieu a fait de lui un prophète au-dessus de tous les prophètes de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'était pas parce qu'il était le seul prophète, mais même quand il y a des milliers de prophètes, Dieu prend un prophète parmi les prophètes et Dieu l'établit au-dessus de tous les prophètes. Donc, c'était son temps et Dieu voulait qu'il soit au-dessus et que ce soit son nom qui sorte. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il fallait être jaloux de lui? Est-ce qu'il fallait l'envier? Est-ce qu'il fallait chercher à faire comme lui? Non! Si quelqu'un prêche sur la prospérité, je ne dis pas parce qu'on a prêché sur la prospérité, moi aussi je vais prêcher sur la prospérité. J'ai connu Mian Léon, mais je n'ai pas prêché sur la prospérité. J'ai connu mon frère Sidney Yoboué, mais je n'ai pas prêché sur la prospérité. J'ai connu beaucoup d'autres hommes de Dieu, mais je n'ai pas prêché sur la prospérité. Parce que ce n'était pas pour moi. Je n'avais pas besoin de copier. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça, c'est le premier point que tu dois entendre ce soir.
Maintenant, concernant le passage qu'on a lu, il faut savoir qu'un homme de Dieu qui n'est pas mandaté pour quelque chose, s'il te dit de faire, on prie sur l'eau. Si quelqu'un qui n'est pas mandaté te dit, prends l'eau, je vais prier, tu perds ton temps, tu gaspilles ton temps et ton argent. Il n'a pas la révélation, il n'a pas l'onction, il n'a pas été mandaté. Il y a beaucoup de prophètes qui copient les actions prophétiques sur Facebook. Il te regarde de loin, il voit ce que tu fais, et demain il va faire pour lui à sa manière. Mais Dieu ne lui a pas révélé. Il n'a pas d'alliance avec Dieu pour ça. Donc ça ne portera pas d'effet. J'aimerais que vous compreniez cela. Frère, fais ce que Dieu te dit de faire. Frère, s'il te plaît, reste dans le domaine que Dieu t'a donné. Considère ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné a de la valeur plus que ce que les autres ont. C'est à toi de développer ce que Dieu t'a donné. C'est à toi de le faire grandir. Il y a un moment de ma vie, je ne savais pas cela. Un moment où j'avais vécu beaucoup d'épreuves. Quand je vois un prophète, je cours. Je veux qu'il prie pour moi pour que je sois prophète comme lui. Lui-même, il me regarde, il me dit, mais toi-même, ce que tu as, c'est trop fort. Quand je vois quelqu'un, je dis, est-ce que tu peux m'aider dans la prière? Il y a un moment où j'étais éparpillé. Je ne considérais pas ce que j'avais. Il a fallu que Dieu me fasse asseoir pour me dire, mon fils, est-ce que tu sais ce que tu as? Est-ce que tu sais ce que tu as? Ce que tu as est gros. Jusqu'à une fois, le Seigneur a failli me tuer à cause de l'onction que je jouais avec l'onction. En ce moment, Benny Hill devrait rencontrer des hommes de Dieu quelque part. Il devrait ouvrir et consacrer des hommes de Dieu. Et je ne considérais pas ce que j'avais. Tout ont été guéri. J'ai oublié que les démons étaient chassés. J'ai oublié qu'il y avait des miracles. Béni, il jette foulard, j'ai jeté foulard. Il souffle dans le micro, j'ai soufflé. Il enlève veste, j'ai enlevé. Il met les gens en rang, il tombe, j'ai fait. Mais j'ai oublié. Dans les moments d'épreuve, j'ai oublié. Et j'ai commencé à ranger mes affaires. Et je dis à ma femme, on va aller pour que l'homme de Dieu prie pour nous. Je range mes affaires. À la veille du départ, le Saint-Esprit me dit, le Seigneur me dit, tu sors, tu meurs. Je dis, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Il dit, pourquoi tu bafoues l'onction que je t'ai donnée? Il dit, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Il dit, ce qui est en toi est plus que ce que ce monsieur a. Je t'ai donné quelque chose de brut, quelque chose de fort. Lui-même que tu vois, il n'a pas ce que tu as. Tu sais la différence entre toi et lui? C'est qu'il est américain. C'est qu'il a l'argent. C'est qu'il a des gens qui le suivent. Même si tu as l'onction et qu'il n'y a pas de gens pour te soutenir financièrement, tu as l'onction, il n'y a pas de gens pour s'aimer dans ta vie pour t'élever. Ton onction est comme si tu n'es rien. Ce que ce monsieur a, que toi tu n'as pas, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de gens qui l'aident, c'est beaucoup de gens qui le soutiennent. Mais en ce qui concerne l'onction, ton onction est plus forte. Toi-même tu pries, il va sentir ça. Ne sors pas d'ici, reste là et prie. J'ai défait mes affaires, je suis resté à la maison. Et depuis ce jour, quand on me dit il y a un grand homme de Dieu qui est ici, en tout cas va assister à son programme, il va prier pour les serviteurs de Dieu, je dis non, c'est bon. Je préfère même que un de mes enfants spirituels que Dieu a choisi même prie pour moi. Que quelqu'un, parce que tout le monde parle de lui, on dit il est grand. Et puis j'oublie que ce que Dieu m'a donné est fort. Et puis je vais faire le mendiant spirituel. J'étais passé chez des prophètes. J'étais passé chez des gens. Prie pour moi, aide-moi, prie pour moi. Dieu m'a dit, toi, tu joues. Il faut valoriser ce qui est
en toi est puissant. Et c'est en ce moment que Dieu a commencé à me montrer des choses. Mon alliance avec l'eau, l'autorité qui est mon oreille, mes yeux. Il a commencé à me dire que c'est dangereuse. Quand il dit quelque chose, ça va s'accomplir. Il a commencé à me montrer et à renouveler cette grâce. Et quand j'ai pris confiance en moi, tout a commencé à marcher. Avoir confiance en toi. Il faut donner ce que tu as. Tu es en dessous de quelqu'un, mais ton onction est plus puissant que lui. Mais tu dois respecter son autorité quand même. Il y a beaucoup de personnes chez eux à la maison qui ne prient pas pour eux-mêmes. Ils pensent qu'ils cherchent le prophète, ils cherchent le pasteur. Alors que peut-être que tu as un don qui est encore plus puissant même que ce que Dieu avait donné au prophète. Il y a une femme qui m'a appelé du Maroc, mais elle a un don de révélation. Pourtant, elle n'est pas pasteur. Son don de révélation est puissant. Pourtant, c'est une femme qui travaille chez les gens. Arrêtez de courir après ce qui n'est pas à vous. Et prenez votre temps pour entretenir ce que vous avez. Le construire dans le jeûne, la prière, la méditation. Apprends à te connaître. Apprends à savoir qui tu es, ce que tu as, et savoir ce que Dieu veut de toi. Vous pouvez être plusieurs médecins, mais tu peux être différent de tes collègues. Vous pouvez travailler dans la même société, mais Dieu veut que tu sois différent. Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Oh, j'espère que cette parole te fait du bien. Personne. Je n'ai jamais envié. Ça veut dire qu'on peut me dire, il a des milliers de voitures, zéro. On dit, quand il prie, la terre tremble, zéro. Quand je n'ai pas ce problème. Parce que je sais de plus que ce qui est en moi. Parce que quelqu'un, prends-moi et mets-moi à côté de. Ça veut dire, prends deux stades. Donne-moi la même sono. Donne-moi le même groupe musical. Donne-moi la même foule. Et puis celui que tu dis, il est puissant là. Il n'a qu'à faire son programme. Et puis, assiste aussi à pour moi. Tu vas dire, waouh. Donc ce monsieur, il avait tout ça et puis il était assis là en train de parler. Parce que il y a une chose dans la vie. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir des dons. Si dans ce monde, tu n'as pas des gens pour t'aider, tu n'avances pas. Ce qui a aidé notre frère Kakou Sivirin, c'est pas parce qu'il était le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il a eu la grâce d'avoir des gens qui l'ont soutenu. D'avoir une foule de personnes derrière lui. D'être dans le bon endroit, au bon endroit, personnes qui l'ont aidé. Il y a des gens qui sont dans des villages aujourd'hui. Leur onction me dépasse. Leur onction dépasse même. On n'entend pas parler d'eux. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour qu'on entende parler d'eux. Vous comprenez ça? David, avant d'être roi, il a fallu que des gens le soutiennent. Un président de la République, il y a une foule de personnes, des gens qui l'aiment, qui le soutiennent. Je prends un exemple de Gbagbo. Aujourd'hui, il y a un conflit en Côte d'Ivoire, Gbagbo, Alassane Ouattara. Mais il y a des gens qui supportent Alassane Ouattara. Ça fait sa force. Il y a des gens qui supportent Gbagbo Laurent. Ça fait sa force. Mais s'il n'y a plus personne pour soutenir Gbagbo, Gbagbo ne sera plus rien. S'il n'y a plus personne pour soutenir Alassane, il ne sera plus rien. Donc quand quelqu'un a l'onction, c'est ceux qui sont derrière, c'est ceux qui soutiennent, c'est ceux qui louent les salles, les stades, qui payent la sono, qui font des programmes. Ce sont ces personnes-là qui font que l'onction de la personne devient encore plus puissante. Tu entends parler de lui, mais quelqu'un qui a l'onction qui est seul, quelqu'un qui a l'onction qui est dans son coin, quelqu'un qui a l'onction qui est caché dans
l'onction se multiplie par la foule. L'onction se multiplie par rapport au lieu. L'onction se multiplie par rapport au confort. L'onction se multiplie par rapport au cadre. Dans la Bible, il y avait une veuve qui est venue voir Élisée. Élisée lui a dit, il y a quoi chez toi? Cette femme avait de l'huile. L'huile est le symbole de l'onction. Mais cette femme avait l'onction chez elle, mais cette femme n'utilisait pas l'onction. Élisée dit, mets ça dans tous les vases. La femme a mis dans tous les vases. Elle s'est rendue compte que cette petite huile pouvait se multiplier. Il y a une onction pour 100 personnes. Mais si tu me mets 100 personnes, l'onction devient pour 100 personnes. Pour 10 personnes, on n'a pas besoin de souffler dans un micro. Ils sont 10, tu les touches. Mais lorsque tu as 1000, il suffit de crier Alléluia. Tu vois. Boum, 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 boum. On dit, wow, il est puissant. Tu envoies 10 000 personnes. Lorsqu'on dit Jésus, il y a des gens qui sont guéris ici. Tu vois les gens qui tombent. Oh, tu vois les paralytiques s'élever. Pourquoi? Parce qu'il y a une foule de personnes. Et donc, si on se multiplie par rapport à la foule de personnes. Mais tu envoies 20 personnes, 10 personnes. Tu vas croire que la personne n'a pas l'onction. Alors que la même personne, tu ne le mets pas devant 10 000 personnes, tu ne peux pas le reconnaître. C'est pourquoi quand il y a des gens qui disent, cet homme dédié à l'onction, lui il n'a pas l'onction, lui il est puissant, lui il n'est pas puissant, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Peut-être que l'autre a eu l'argent vite, et puis mais l'autre que tu vois là, peut-être dans le secret, de la manière Dieu l'utilise là, l'autre que tu vois en public là, il ne peut même pas faire la moitié de ce que l'autre fait en secret. J'espère que vous avez compris. Alors, je reviens à ma parole en disant, un homme qui est oint, à qui Dieu a donné une force, une autorité dans le sacerdoce, s'il t'a dit prends du sel, mettez des cœurs, on dit le direct attaqué. Je vous ai dit qu'il y a des pasteurs jaloux. Je vous ai dit qu'il y a des pasteurs, politiciens, mamailleurs, tout ça. Protégez le direct. Moi-même, je sais que je n'ai pas d'amis. Protégez le direct. Donc, est où est? Un homme de Dieu qui a le pouvoir, un homme de Dieu qui a l'autorité. Quand il dit que le feu descend. Quand il te dit prends l'eau, c'est qu'il y a quelque chose. Prends quelque chose. S'il te dit lave-toi 3 fois, même si c'est le miel que tu manges là. Le miel même que tu manges, si tu te dis prends le miel, faut manger ça. Tu as l'habitude de manger le miel, hein. Mais le jour qui va te dire prends le miel là, ce jour-là tu vas voir quelque chose. L'eau que tu as l'habitude de boire là, qui est chez toi, le jour il va te dire prends de l'eau, c'est que quelque chose est en train de se passer. Parce qu'il a quelque chose. Likez s'il vous plaît. Parce qu'il a quelque chose. Alors, Élisée ici dit, envoyez de la farine. Certainement, il y a des gens qui sont en train de se dire, mais il va faire quoi avec farine? Depuis quand farine a enlevé poison? Or, il avait la bouche autorisée. Il avait les yeux ouverts. Il avait les oreilles ouvertes. Et il avait l'onction, d'ailleurs la double onction sur sa vie. Donc, quand lui dit, prenez la farine même obéit à sa voix déjà. Quand il dit prenez de l'eau, l'eau obéit à sa voix. Quand il dit prends le sel obéit à sa voix. S'il te dit assis-toi 3 fois et puis lève-toi, tu t'en vas. Ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui va se passer.
C'est pourquoi ce soir, je ne vais pas prendre trop le temps encore pour prêcher. Parce que si vraiment on veut prêcher, prêcher, on ne va pas faire les autres choses. Je vous demande de passer à l'action. Le direct bug, alors protégez le direct. Je vais augmenter le nombre d'administrateurs pour qu'ils puissent balayer les gens. Voilà. J'aimerais que vous preniez votre bouteille d'eau et votre sel, s'il vous plaît. Prenez votre bouteille d'eau et votre sel. Voilà, votre bouteille d'eau, votre sel. Le direct a attaqué. On n'a pas que des amis, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. À vous de protéger le direct. Alors, tu vas commencer par l'eau. Je demande à tous ceux qui ont leur bouteille d'eau d'ouvrir. Ouvre ta bouteille d'eau. Ouvre ta bouteille d'eau. Souffle trois fois dans ta bouteille. Souffle trois fois dans ta bouteille. Tu ouvres ta bouteille, tu souffles trois fois. Tu ouvres ta bouteille, tu souffles trois fois. Et puis, quand tu as fini de souffler, tu refermes la bouteille. Le sel à côté, on s'occupe de l'eau d'abord. Même si le sel est dans ta main, ce n'est pas grave. Mais ouvre la bouteille, souffle trois fois. Tu souffles trois fois. Tu refermes la bouteille. Et je te laisse 2 minutes, dis tes intentions à Dieu. Dis tes intentions à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur débloque dans ta vie? Dis-lui. Dis tes intentions à Dieu avant que je prie. Mabro la shabaro. Loka maya la tabro. Mabro ko sharabra katala maso turubre. No kabaya la bro ko sababa si kabaya la kose. Bon, maintenant je vais prier pour l'eau. Père, dans le nom de Jésus, par la grâce que tu m'as donnée, par l'onction que tu as déposée dans ma vie et sur ma vie, par l'alliance que tu m'as donnée avec Père, je commande à cette eau des enfants qu'elle devienne une source de vie. Un miracle de restauration maintenant. Je parle à cette eau. Et à cette eau, de par ma voix, de par ma parole, que suis ma vie, tu m'obéis maintenant. Les intentions qui ont été accueillies par les enfants de Dieu. Dans la main de la personne où tu es. Je commande à l'ange de l'eau. Je commande à l'ange de l'eau maintenant de multiplier sa force. Et de bénir toutes ses bouteilles d'eau avec son armée céleste. Je commande à l'ange de mon autel. De se lever avec toute l'armée céleste. Qui veille sur mon ministère et ma vie. Et de bénir ses eaux. Que tout ce que ces personnes ont demandé soit exaucé. Oh,
obéis à ma voix. Oh, obéis à ma voix. Oh, obéis à ma voix. Je commande au nom de Jésus que tu sois vivante. Je commande au nom de Jésus que tu sois bouillante. Que la force du Saint-Esprit soit en toi. Guéris les personnes qui sont malades. Guéris la personne qui est malade. Et maintenant, opère les déblocages et les miracles partout où on t'a demandé. Au nom de Jésus-Christ, que ma prière soit scellée maintenant. Que cette eau qui entend ma voix m'obéisse au nom de Jésus. Amen. Ne buvez pas votre eau maintenant. Après le direct, quand on a tout fini, avant que vous dormez, d'ailleurs, buvez pas l'eau aujourd'hui. C'est à partir de demain, vous allez boire cette eau. Quand on a fini le direct, prends ta bouteille. Tu prends ta bouteille, tu n'as plus besoin de l'ouvrir. Tu prends la bouteille avec toi et puis tu parles à Dieu. Tu pries, tu dis à Dieu, tu parles. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouteille. Ce n'est pas la bouteille que tu pries, c'est Dieu que tu pries. Tu pries, tu parles au Seigneur. Quand tu as fini, pose la bouteille de toi au sujet de prière et tu lis le psaume 71. Et le psaume 92. Il y a deux psaumes. 71 et le 92. Quand tu as fini de lire le 71 et le 92, tu ouvres encore ta bouteille. D'accord? Et tu mets ton souffle dans la bouteille. Tu souffles. Une fois ça suffit. Tu refermes ta bouteille et tu la bois à ton rythme. Si tu as envie de tout boire, ça c'est ton problème. Tu peux boire un peu. Et si tu vois que c'est fini, tu as envie de rajouter de l'eau, n'hésite pas de le faire. Elle est déjà bénie. Donc si tu rajoutes de l'eau, l'eau que tu mets est aussi bénie. D'accord? Donc ça concerne l'eau. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a été exaucé, si quelqu'un a eu un miracle et qui veut faire une action de grâce, il veut remercier Dieu, la personne peut contacter ma secrétaire. Ce n'est pas obligé. Voilà, ça c'est des choses qu'on fait selon son cœur et selon ses moyens. Prends ton sel dans ta main, s'il te plaît. Prends ton sel dans ta main droite. Le direct bug, mettez des cœurs. Je vous dis qu'il y a des jaloux. Il y a des gros sorciers qui s'appellent pasteurs. Des féticheurs, des sorciers qui s'appellent prophètes. Il y a les politiciens, il y a tout. Le bishop Atia normal là. Ses ennemis là, si vous pouvez compter, vous allez même dire comment il fait. Et que bientôt on va sortir de tous ces petits directs. On va faire des donc tout ça là, ils ne pourront pas venir mettre leur bloquer les directs. Vous allez pouvoir suivre des choses bien parfaites. Ne vous inquiétez pas. Ils vont nous encourager à être meilleurs bientôt. On a parlé même d'une chaîne télé. On a ouvert une télé sur le net. On est en train de prévoir beaucoup de choses. Donc ne vous inquiétez pas. Prenez le sel. Si tu as pris ton sel dans ta main droite, je veux que tu répètes chez toi, tu dis, voilà, dis feu une fois, feu deux fois, feu trois fois. C'est bon? Alors, quand tu as dit feu trois fois, hein? Je ne sais pas si vous avez bien entendu, donc je répète. Feu, pendant que le Seigneur, tu dis feu une fois, feu deux fois. Feu, trois fois. Ok. Excusez-moi. Il y a un prêtre vaudou qui est en train de suivre mon direct. Je viens de te voir. Il y a des canaris. Tu as un canari.
tu as des fétiches autour de toi. Je vois que tu as un canari, tu verses du sang, et comme un caillou par exemple, tu verses du sang dessus. Tu es un prêtre vaudou. Je ne vais pas dire le lieu d'où tu es. Parce que je vois même le lieu où tu es. Tu es assis, tu es attaché un pain. Le pain que tu as attaché est blanc. Mais on a l'impression qu'il y a du rouge dedans. Tu es un prêtre vaudou. Je vois des fétiches autour de toi. Et je vois un canari et on verse du sang là-dessus. Mes yeux sont en train de s'ouvrir. Je vois sur un papier, je vois mon nom. Je vois une photo. Je suis en train de voir que tu as ton téléphone qui est là et tu es en train de suivre le direct. Et tu fais des incantations. Je vais t'annoncer une chose. Tu vas mourir. Tu vas mourir. À partir du moment où tu m'as entendu là, il faut commencer à dire au revoir à ta famille. Tu vas mourir. C'est pas du jeu. Hein. Tu vas mourir. Ouais. Je te dis que tu vas mourir. Tu n'as même pas 3 jours. Ce soir-là même, là, ça commence. Tu vas sentir au niveau de ton cœur. Tu vas voir comment on est en train de t'arracher le cœur. Parce que tu ne vas pas mourir un coup. Pour la sentir ta souffrance. Au moins 3 jours. Et puis tu vas partir. Et celui qui t'a dit de m'attaquer là, lui aussi meurt. Ouais. Ton travail est en train de te tuer. Je te promets. Ton travail est en train de te tuer. Tu vas mourir. De toute façon, Dieu a ouvert mes yeux et t'es vu là, c'est fini. Tu vas mourir. En tout cas, tu es mal tombé. Tu vas mourir. Si tu veux, il faut courir, va voir un pasteur. Il n'a qu'à prier pour toi la nuit là, c'est zéro. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu vas mourir. Parce que pendant que je te vois, il y a un ange qui est arrêté, prêt à te frapper. Tes fétiches même là ne peuvent pas t'obéir. Parce que ce que tes démons la voient là, ils ne peuvent pas jouer. Tu vas mourir. C'est fini pour toi. C'est fini. La mission qu'on t'a donnée là, c'est ta dernière mission. Je porte mon chapeau en ton honneur. Quand tu vas partir là, ceux qui t'ont appris à tuer les gens, à attaquer les gens. Voilà. Attaquer les gens. Renseignez-vous. Renseigne-toi. Alors, votre sel, vous avez crié feu une fois, feu deux fois, feu trois fois. Maintenant, pense à tous les problèmes qui te fatiguent. Tu prends le sel dans ta main, tu fermes ton poing comme ça, comme si tu avais un bâton dans la main. Et tu penses à tout ce qui te fatigue. Même s'il y a des personnes qui te fatiguaient. Même si tu as vu que dans ta famille, il y a un sorcier, tu as sa révélation. Pense à tout ce qui te fatigue. Pense à ça. 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 Pense. Pense, pense à tout ce qui te fatigue. Maintenant, tout est en train de se briser. Tout est en train de se briser. Tout est en train de se briser. Tes ennemis sont en train de tomber. Le sorcier qui attaque ta vie est en train de tomber. Les mystiques qui attaquent ta vie sont en train de tomber. Les marabouts qui poursuivent ta vie sont en train de tomber. Tous ceux qui luttent contre ta vie sont en train de tomber. Ceux qui prétendent être tes frères et sœurs qui te font du mal sont en train de tomber. Le feu descend sur eux. Maintenant, je prie pour toi. Si tu veux, tu peux ouvrir ta main. Si tu veux, tu peux poser ton sel. Si tu veux, tu peux continuer à attraper. Mais attention, le sel brûle. Donc, ne le laisse pas trop dans ta main. Si tu veux, tu poses. Si tu veux, tu mèches. C'est moi qui prie maintenant. Père, le sel est du feu. Tu as détruit Sodome et Gomorrhe par le sel et par le feu. Hey, Marie! J'appelle la main céleste. J'appelle la main céleste. Je commande le déblocage dans la vie de tous tes enfants qui m'écoutent. Je veux des témoignages de déblocage, des témoignages de miracles. Que ce sel qui est entre leurs mains soit une bombe contre leurs ennemis.
Que ce sel qui est entre leurs mains soit un feu dévorant contre leurs ennemis. Que ce sel qui est entre leurs mains soit le feu qui les purifie, qui les lave et qui brise toutes les chaînes négatives. Que ce sel qui est entre leurs mains soit une protection divine sur leur vie. Et que tout sorcier, tout ennemi qui les cherche et qui les poursuit, qui veut les atteindre, soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais parmi vous, il y a des gens qui vont entendre, il y aura des funérailles. Parmi vous là, excusez-moi, mais on va vous annoncer la mort de... Moi quand je fais ce genre de prière après, quand les gens viennent pleurer, hey, j'étais, on dit ma tante est morte, on dit mon cousin est mort, on dit mon frère est mort, on dit ceci. Moi je suis là et regarde. Je regarde. En tout cas, il y a des gens parmi vous là. Préparez-vous, on va vous annoncer la mort de quelqu'un. Ou de plusieurs personnes. Cette action que vous êtes en train de faire, certaines personnes vont croire que c'est du jeu. Mais tu viens de jeter le feu contre tes ennemis là. C'est pas encore fini. Je t'ai pas dit le reste. Il y a des femmes qui ont des problèmes dans leur couple parce que quelqu'un est en train de faire quelque chose derrière. Tu as une copine, tu as une soeur, tu as un ami qui est en train de faire quelque chose pour détruire ton couple. Dieu va les frapper. En fait, cette action que vous venez de faire là, c'est la colère que vous venez de jeter sur vos ennemis. La colère de Dieu. Il va avoir une vengeance spirituelle. Il y a des gens qui vont pleurer pour demander pardon à certaines personnes ici. Ouais. Il y a des gens qui vont venir vous demander pardon dans les pleurs. Ouais. Et là, l'autre chose, c'est que si tu remarques qu'après cette action, il y a quelqu'un qui ne t'appelle plus, ou bien il y a quelqu'un qui automatiquement, comme ton ennemi te fuit, ou bien le pays, ou bien c'est il faut te dire que la personne a vu quelque chose, Dieu est en train d'agir, la personne a vu quelque chose, donc il n'ose pas affronter parce qu'il faisait des choses mauvaises derrière. Dites-vous ça. Alors, j'aurais dû vous dire de prendre beaucoup de sel, mais le Seigneur m'a dit une poignée de sel. Je vais vous expliquer maintenant ce que vous allez faire avec le sel. Ce sel servira à faire un bain. Ou plusieurs bains. Je vais vous expliquer. Si tu veux, tu n'as pas beaucoup de sel, et tu veux faire juste un seul bain, prends le sel qu'on a prié dessus là, verse dans un seau, verse de l'eau dedans, prie, parle à Dieu, prière de combat spirituel. Mes ennemis sont vaincus, aujourd'hui je suis délivré, ma vie est libérée, tout ce qui a été fait contre moi est détruit. Tu fais ce genre de prière et quand tu as fini de faire la prière, je te donne le psaume 53 et je te donne le psaume 27. Le psaume 53 et le psaume 27. Quand tu pries toi-même, récite-moi ces deux psaumes. Et puis tu prends le bain. Le sel que tu as mis dans le seau là, tu vas dans la douche. Ne prends pas de savon. Si tu veux, tu te laves avant. Et puis tu te rinces. Pendant que tu es en train de te rincer, tu pries toujours, tu parles à Dieu. Mes ennemis sont vaincus. Aujourd'hui, ma vie est délivrée. Tout ce qu'ils ont fait contre moi est brisé. Tout esprit de blocage est brisé. Et tu te rinces seulement, tu te rinces jusqu'à ce que ça finisse. Quand c'est fini,
Il ne faut pas prendre la serviette pour t'essuyer. Tu vas enlever ce que tu as mis sur toi. Tu comprends? Il faut juste porter quelque chose et laisse ça sécher sur toi. Tu peux faire ça la nuit avant de dormir ou le matin très tôt. Tu choisis ton heure. Mais il faut que ça soit dans le calme, dans la tranquillité, pour que tu puisses prier tranquillement. Tu laisses sécher sur toi. Si après tu veux te relaver quand c'est bien sec sur toi, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de garder ça pendant 2 jours, 3 jours. Dès que c'est sec, si tu veux aller te laver, tu peux. Mais tu laisses sécher sur toi et tu restes toujours dans un esprit de prière. Dans un esprit de prière, de combat spirituel, ok? Alors, il y a une autre possibilité pour ceux qui veulent faire plusieurs fois, au moins pendant une semaine, pendant 3 jours ou 4 jours. Le sel qu'on a prié dessus là, si tu as encore du sel à la maison, tu prends, tu mets dans un récipient, et puis tu prends le sel qu'on a prié dessus, tu mets dedans et tu mélanges. Pour que tout soit béni. Et tu divises ça pour tes 2 jours, pour tes 3 jours, ou pour tes 1 semaine. Et tu pries chaque jour quand tu vas prier, tu fais la même chose, les mêmes sommes que je t'ai donné, la même prière, la même action. Si tu le fais même 10 fois, il faut faire avec ces mêmes choses. Voilà. Tu vas voir le déblocage bientôt. Je ne fais pas d'action prophétique quand Dieu ne m'a pas révélé. Je ne fais pas d'action prophétique parce qu'aujourd'hui là, peut-être qu'on va faire ça. Non. Pour moi, ça vient, ça me possède. Ça m'environne. Et puis le Seigneur, je connais déjà beaucoup d'actions prophétiques. Le Seigneur me dit aujourd'hui, c'est avec le sel. Ou bien le Seigneur me dit, tu es seulement. Quand le Seigneur m'a dit, le jeudi, l'eau et le sel. Depuis que Dieu m'a révélé ça, ça m'a travaillé jusqu'au jour. Tous les petits détails que je vous donne m'ont été donnés par le Seigneur. Ce n'est pas je m'assois et puis j'invente, fais ça. Non, ce n'est pas possible même. Ce n'est pas possible. Donc, il faut suivre à la lettre. Il y a des gens qui vont rendre témoignage. Ouais. Alors, il est quelle heure? S'il vous plaît. Je vous fais une déloyance. Je suis fatigué de parler. Il est 23h chez moi ici. Il est 23h chez moi ici. Je vais mettre un cantique. Je vais mettre un cantique pour remercier Dieu. Je vais mettre un cantique pour remercier Dieu. Et je vais demander une chose. Pendant qu'on était en train de prier, ou bien s'il y a quelqu'un qui a un témoignage qui bouillonne vraiment en lui et qu'il a envie de rendre ça aujourd'hui, il a un témoignage qu'il a envie de rendre, il n'a pas envie d'attendre demain. Je vais vous accorder quelques temps. S'il y a 2 ou 3 témoignages, on va les écouter. On va remercier Dieu, surtout pour ce moment de prière ou les prières passées. Et on va choisir encore un jour dans la semaine où on fera un direct de témoignage. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage, prépare, écrivez le numéro de téléphone de mon WhatsApp pour que ceux qui veulent rendre témoignage, quelques personnes, on puisse écouter les témoignages avant que je fasse la prière de fin, afin que je fasse la bénédiction finale. On peut écouter quelques témoignages. Donnez-moi juste 2 minutes. Témoignage.
Allez, on attend vos témoignages maintenant. Alors, est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent un témoignage avant qu'on prie pour terminer? J'ai écrit le numéro WhatsApp. J'ai écrit le numéro WhatsApp, donc s'il y a quelqu'un. Allô? Bonsoir, excuse-moi, je vais diminuer la musique, pardon. Oui, oui, sois. Allô? Oh, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Oui, allô? Oui, sois béni. Oui. Shalom. Shalom. Béni, papa. Oui, je t'écoute. C'est pour un petit témoignage. Oui. Alors, c'est pour un petit témoignage de remercier Dieu Tout-Puissant. Vas-y. Il y a ma fille qui ne se portait pas bien avant-hier. Elle était là, maman, je ne me porte pas bien, je n'arrive pas à respirer. Maman, je l'avais dit qu'il y a quel problème. Elle dit, je suis malade, je ne me sens pas bien. Elle dit qu'il y a quel problème. Elle dit, je ne sais pas ce qu'elle est là. Il dit, faut t'asseoir. Et puis l'eau que tu avais donnée la semaine passée, là, j'ai pris et puis il dit, faut boire. Elle dit, non, maman, elle a déjà bu l'eau. Il dit, faut boire l'eau là. Et donc, elle forçait la fin de boire, elle était là. Elle dit, son vent lui tournait là. Ça tournait jusqu'à un. Hein. Puis un coup, elle allait tout vomir. Elle allait vomir. Tout ce qui est dedans. Waouh. Allô? Oui, oui, je suis là, je t'entends. Allô? Elle a tout vomi. Oui, allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Elle a tout vomi. Et puis j'ai pris un peu, j'ai pris caresser son visage. Et puis il dit, il faut prier, puis tu vas te coucher. Puis moi aussi, t'es assis, j'ai prié. Et puis elle a commencé, elle a dormi. Il a, en tout cas, elle a dormi, elle a ronflé jusqu'à un matin. Il dit, maintenant ça va. Il dit, oui, ça va. Il dit, quand on dit, vous dites, priez, vous ne priez pas. C'est l'eau que tu as. C'était fini, mais il a ajouté l'eau seulement. Il a ajouté, à chaque fois, quand ça avait fini, il ajoute. C'est que j'ai pris pour lui donner la vie et puis laver son visage avec. Pour remercier Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait. Amen. Oui. Amen. Sois béni. C'est fort ce témoignage. Donc, ta fille, elle a commencé à prier maintenant ou bien? C'est bien. Vraiment, sois béni. Ce témoignage est fort. C'était quand on avait, c'était quel direct? Ça date de quand? À la semaine passée, quand il finit de boire, qu'il reste un peu, j'ajoute l'eau. Ah, d'accord. C'est ça qui était dans la chambre. Quand d'accord. Ça avait fini, d'accord. Vraiment, sois béni. Sois puissamment béni. Amen, papa. Merci. Merci, papa. Que Dieu, sa grâce soit sur toi bientôt. Ouais. Il y a une autre personne qui a essayé d'appeler que j'avais coupé. Je vais la rappeler. Si quelqu'un a un témoignage à rendre, on écoute quelques témoignages vite fait et puis on va prier pour terminer. Bon, la personne ne décroche pas. Ok. La personne ne décroche pas. Elle a essayé d'appeler tout à l'heure quand il y avait la communication. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage pour la prière de ce soir ou les prières qu'on a déjà eues, parce qu'on n'a pas fait de direct de témoignage dans la semaine. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage, je vous accorde au moins deux ou trois témoignages
avant qu'on fasse la prière de bénédiction, la prière pour clôturer. Vous savez, la Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement. Hein? Allô? Allô? Hey, ma fille, ça va? Je reconnais ta voix. Oui. Comment? Oui, ça va bien, merci, homme de Dieu. Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Et vous? Ça va. Comment tu vas? Oui, ça va. On t'écoute alors. Oui, homme de Dieu, je veux un témoignage que je suis vraiment choquée. Ah bon? Quand il est choqué, c'est-à-dire Dieu a fait son miracle immédiatement. Mm-hmm. C'est-à-dire le père de mes enfants, elle avait le palu, comment on appelle ça? Mm-hmm. Le palu, donc elle était à l'hôpital hier. Mm-hmm. Et quand il a vu Dieu maintenant, je l'ai appelé, il était me dire, oh sa petite soeur, si ça va bien, la palu, elle est à l'hôpital. Mm-hmm. C'est là, il dit, non, ça ne peut pas se passer. Donc, je me suis mis à prier, il dit, Dieu, fais ton miracle, Dieu, fais ton miracle, Dieu, guéris la fire. Donc, il a pu. Elle se sent mieux, elle n'est plus à l'hôpital, elle est sortie. Donc, je veux rendre grâce à Dieu, je veux lui dire merci pour la guérir, merci de m'avoir répondu à ma prière. Où je suis là, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente qu'elle ait guéri. Que je veux rendre gloire à Dieu et je veux le remercier parce qu'il a répondu à cette prière immédiatement. Parce que je voulais même pas que sa condition n'a qu'à s'aggraver. Donc, merci, homme de Dieu. Sois béni. Si tu te rappelles, je t'ai dit que Dieu a commencé à te visiter, que tes dons spirituels vont se réveiller. C'est ça qui a commencé là. C'est bien. Oui, continue comme ça. Continue comme ça, d'accord? Oui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, homme de Dieu. À bientôt. Au revoir. Bon, la personne a essayé de rappeler encore. Bon, peut-être qu'après ce témoignage, s'il n'y a pas d'autre, on va prier maintenant. Parce qu'il commence à se faire tard, il y a des gens qui travaillent demain. Donc, voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oh, mais c'est pas le même numéro? Ah, on dit bonsoir, tu réponds pas, tu demandes, c'est pas le bon numéro. Tu as appelé, non? Pour un témoignage. On t'écoute, ma soeur. Oui, papa. On t'écoute. D'accord. Ok. Ah ben, papa, j'ai appelé pour un témoignage pour ce soir, en fait. Ah, ce soir. D'accord. Vas-y. Oui. Mmh. Parce que... Ils ont indiqué le... Moi, j'ai jamais parlé en langue. Je n'ai jamais parlé en langue. Ah bon? Et quand on l'a parlé... Oui, je n'ai jamais parlé en langue. Maintenant, quand tu as commencé à prier, tu dis, on n'a pas prié, j'ai commencé, tu as eu mon ventre a commencé à me faire mal. Comme une chaleur, un feu, comme si c'était du feu, ça chauffait dans mon ventre. Mm-hmm. Et j'ai commencé à parler, mais ça ne sortait pas bien, mais j'ai commencé à parler à langue. Mm-hmm. Donc, je voulais dire ça. Mm-hmm. Et j'ai commencé à parler à langue, jusqu'à pendant plus d'une heure. Mm-hmm. Oui, ça a commencé à faire jusqu'à après, ça s'est arrêté. Et j'ai commencé à tousser, puis c'est fait. Waouh! Tu n'as jamais parlé en langue dans ta vie? Pardon? Tu n'as jamais parlé en langue, c'est aujourd'hui ça se déclenche. Non, papa, je n'ai jamais parlé en langue, jamais. D'accord. C'est bien, le Seigneur a commencé vraiment à te visiter. Quand tu pries que... Tu sens que dans ta gorge, en fait, ce qui se passe, tu vas sentir comme s'il y a quelque chose, une force qui sort de ton ventre qui vient pour venir vers ta gorge. Deux fois même, tu as l'impression que ta gorge veut te serrer, mais en même temps, tu sens que ta bouche a envie de dire certains mots. Il y a des mots qui veulent sortir. Il faut pas te retenir. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, là, quand tu pries que ça vient, il faut laisser couler. Il ne faut pas chercher à savoir la signification des mots. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est bon? Oublie même. C'est-à-dire, toi, il faut parler comme un enfant qui est en train de dire des mots. C'est l'esprit qui parle à ta place. Donc, tu laisses les mots
secouer tout ce tu laisses ta langue prononcer tout ce qu'il a envie de prononcer. Parce que la Bible dit que deux fois, nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu. C'est l'Esprit qui prie à notre place, qui demande à notre pour nous. D'accord? Donc, ce que Dieu a commencé, qui continue dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen, papa. Amen. Alors, bien-aimé, comme il est tard, on va rester sur ces trois témoignages, s'il vous plaît. On va rester sur ces trois témoignages, d'accord? Comme il est tard, je vais faire la prière finale. Aujourd'hui, c'est jeudi. Je propose qu'on fasse samedi spécial témoignage. Samedi soir. Samedi soir, 21h. Ou peut-être un peu avant. Je vais voir, je vais vous donner l'heure exacte, mais... Bon, on peut faire ça demain. Hein? On peut faire demain témoignage et adoration. Parce que samedi, souvent, les gens bougent, ils vont manger ici, ils vont là. Ça peut mélanger le programme. Donc, demain, on va faire un direct à 21h. Témoignage et action de grâce. On va remercier Dieu, on va en témoigner et je vais vous bénir. Donc, ce soir, si vous avez des témoignages que vous avez voulu rendre, vous n'avez pas pu ce soir, il est déjà trop tard. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui auront des témoignages très forts à les rendre. Donc, on fera demain témoignage. D'accord? Alors maintenant, je vais vous bénir. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que quelqu'un tende une main vers moi. Ça peut être ta main gauche, ça peut être ta main droite. Ne me tends pas ta main que tu prends pour liker. Je veux y aller. On va prier. Ce soir, ta grâce. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que tu as reçu aujourd'hui soit scellé. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que tu as reçu aujourd'hui soit scellé. Que ce moment soit un moment de déblocage. Qu'à partir de cette nuit, à partir de demain, à partir des jours qui viennent, tu commences à entendre de bonnes nouvelles. Que tes ennemis soient brisés, qu'ils tombent, qu'ils s'enfoncent, que la terre ouvre sa bouche, les avale, et que la terre produise des grâces pour toi. Que ceux qui te font du mal avec leur langue avalent leur propre langue. Que l'Éternel te soutienne, qu'il te relève, qu'il te fortifie. Que ce qui te manquait revienne dans ta vie. Que la grâce du miel soit sur toi. Que la grâce de l'huile soit sur toi. Que la grâce du sel soit sur toi. Que la grâce du lait soit sur toi. Que la grâce du parfum soit sur toi. Que la force que Dieu a mis dans l'eau t'accompagne. Et que toutes les prières que tu vas demander soient exaucées. Je prie que toute puissance qui veut s'opposer à toi soit confondue au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire amen? Est-ce que quelqu'un est en train de dire amen, tu es exaucé? Est-ce que quelqu'un veut dire amen, tu es exaucé? Est-ce que quelqu'un peut dire amen, tu es exaucé? Est-ce que quelqu'un peut dire amen, tu es exaucé? Est-ce que quelqu'un peut dire amen, tu es exaucé? Tu es exaucé, dis merci à Dieu. Remercie-le, remercie-le. Remercie le Seigneur. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Dis merci à Dieu avant qu'on se quitte.
Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Dis merci au Seigneur. Dis-lui que tu es heureuse, tu es heureux, tu es content, tu as reçu. Dis-lui merci. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu nous as donné ce soir. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ta protection. Merci pour la délivrance. Merci pour le miracle. Merci pour les grâces. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit ton nom, sois élevé notre Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Demain soir, 21h de Paris, nous ferons notre direct de témoignage et d'action de grâce. Partagez le direct dans vos groupes et que le Seigneur soit tout avec vous tout le long de votre vie. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que l'honneur lui revienne. C'est lui qui travaille, c'est lui qui fait et qui soit honoré. Au nom de Jésus, amen. Au revoir.